Je m'appelle Sylvain, j'ai 20 ans et je m'appelle pas Sébastien. Quoi? Comment ça tu t'appelles Sylvain? Comment ça t'as 20 ans? Pourquoi t'as fait ça? Mais sinon Morédi me tuait. Quoi? Mais Morédi c'est du passé, il est mort maintenant, on l'a tué. Hein? Quoi? Attends, comment ça il s'appelle Sylvain? Tu veux que je vienne? Ok, j'arrive. Je suis désolée, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Salut Julien. Salut Alex. Salut Sylvain. Salut Alex. C'est quoi ça? Attends, comment ça j'ai été adoptée? Ça veut dire que Théo n'est pas mon père? C'est une blague, j'espère. Non, Fanny, ce n'est pas une blague. Quoi? Je suis désolée, Fanny. Maman, tu m'as menti! Théo, t'es pas mon père? Non, Fanny. Quoi? C'est qui mon père alors? Il s'appelle John. John Grissom. John Grissom? Quoi? Mais je vais le retrouver, ce John Grissom! Et croyez-moi, j'espère vraiment que c'est une blague! On te croit, Fanny, on te croit. Je suis désolée, Fanny. T'es désolée? Mais tu peux, maman. J'espère vraiment que c'est une blague. Vous m'avez menti, et croyez-moi, j'espère vraiment que c'est une blague! Bon, bah, maintenant, elle me déteste. Elle nous déteste. C'est une blague! J'espère que c'est une blague. J'espère vraiment. Si c'est pas une blague, je vais tout faire pour le retrouver, ce mec. Putain, casse-toi, putain! Mais il va bien partir, mais on va pas rester là toute la nuit quand même. Ça va que c'est que 15 heures, mais quand même. Putain, casse-toi, putain. Mais vas-y, dégage là, qu'est-ce que tu fous là, putain? Je crois que t'étais en tôle, putain, je vais rappeler les flics, s'il part pas. Je reste encore 10 minutes, s'il part pas, j'appelle les flics. Elle est où ta sœur? Mais vous êtes qui vous? Elle est où ta sœur, putain? Chloé! Putain, elle va pas s'en prendre à elle quand même. Elle est où ta sœur? Hélène? Oui, Hélène, oui, elle est où? Mais je sais pas. Je viens de l'appeler, elle répond pas. Du coup, je viens voir si elle était chez elle. Mais je pense pas qu'elle est là. Putain, je viens de me prendre la pluie et la grêle pour au final quoi? Qu'ils nous disent qu'il a fait tout ça par rapport à Moriti, qui voulait le tuer s'il faisait pas ce qu'il voulait. Putain, pris la grêle, la pluie et la grêle pour ça. Putain, c'est pas de sa faute, hein, c'est Moriti. Mais ce qu'il y a,
Bon, ce qu'il y a du côté de Julien, je sais pas s'il lui pardonne. En tout cas, moi, je lui ai tout pardonné. C'est de la faute de Moretti. C'est pas de sa faute. Moi, je comprends. Mais du côté de Julien, ce qu'il y a, c'est que je sais pas s'il lui pardonne ou pas. Donc, on verra bien. Moi, je vais rentrer chez moi parce que la pluie et la grêle, ça ira. Merci, hein. Plus demain, il neige, c'est ça qui est bien. Bon, eh ben, je ne ferai rien avec Théo. Il a retrouvé Adixia. J'ai déjà couché avec Théo. Pour moi, Adixia, je l'ai trahi. Je trouve que ça se fait pas par rapport à une amie. Donc, j'ai décidé de repartir dans le sud. Et ouais, je pense d'ici quelques mois, même quelques semaines, je serai à nouveau dans le sud. Même le temps de tout préparer, de tout mettre les cartons, le temps de faire le déménagement. Même d'ici quelques jours, même d'ici la fin de la semaine, je serai dans le sud. Mais j'ai trahi Adixia. Et c'était ma meilleure amie. Et je pense qu'elle me le pardonnera jamais. Donc, vaut mieux que je reparte. C'est sympa que tu travailles pas aujourd'hui, hein. Ben oui, tu m'étonnes, on est dimanche. Puis en plus, je travaille jamais le dimanche. Ben ouais. Puis ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois. Puis ça m'est déjà arrivé de travailler le samedi, mais très rarement. Ben oui, ça a dû arriver une ou deux fois. Même plus. Deux ou trois fois, même quatre fois. Ouais, depuis que tu bosses là-bas, t'as dû travailler quatre fois, pas plus. Donc, c'est bien. Ben oui. Ah. J'en connais une qui a envie d'un biberon. Ben, va vite lui donner, j'arrive. Ok. Je vais aller voir maman, moi. Max, il est pas là aujourd'hui. J'en profite. Il est chez un copain toute la journée. Donc, bah, maman, bah, je peux profiter de la chance, je peux profiter de tout. De mes parents, de tout. Même de ma petite sœur. Oh, coucou. Ça va, Alice? Oh oui, ça va. Max, il est pas là, alors j'en profite. Oh, Alice, c'est ton frère quand même. Ouais, mais il est trop chiant. Alice, c'est ton frère. Ouais, mais il est chiant. Mais c'est mon frère. Bah oui. Ça va, petit bébé? Elle a faim. Je vais lui donner à manger. Ah, d'accord. Bah, va alors, maman. Bon, maman, je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Tu sens pas bien? Je m'ennuie. Oh. Va te trouver une autre personne, d'accord? D'accord. Waouh, c'est magnifique la neige. Oh, il neige, c'est trop beau. Waouh. Waouh. Bon, par contre, ça casse, donc je vais garder mes deux bras peut-être, hein, et je vais rentrer. Bon, ah, qu'est-ce qu'on est bien sur ce balcon-là. Je peux très bien regarder d'en bas. Hein. J'ai faim, je vais me prendre un petit croissant. Puis en plus, s'il fait froid, je vais bien m'habiller. Puis en plus, s'il fait froid, je vais faire le plein. Parce que, puis en plus, s'il refait froid, si ça recaille comme ça, je suis pas prêt d'y retourner en course. Hein. Bouh! Allez, on y va. Ne pas me dire que j'ai été adoptée. Non, mais je rêve, c'est une blague. Putain, putain, ça, j'aurais dû prendre une veste. Ah, mais j'y pense. J'ai une veste chez Sandra. J'avais oublié la dernière fois. Bon, on va aller chez Sandra chercher ma veste. J'en profiterai pour lui raconter que j'ai été adoptée.
qu'elle me dise pas qu'elle lit ça parce que je la démonte. Elle me dit, si elle, je lui dis, j'ai été adoptée, t'es, on n'est pas mon père. Elle me dit, oui, je sais, ta mère me l'a dit. Ah bah alors là, je la défonce. Oh. Putain, brrr, ça caille. Allez, chez Sandra, direction. Elle est partie sans veste. Mais t'inquiète pas, elle est intelligente, ta fille, elle va revenir. Hein. Oui, bah, c'est aussi la tienne, hein, tu l'as adoptée. Oui, mais non. Je sais pas si t'as suivi, là. En fait, on vient de lui annoncer qu'elle a été adoptée et que je suis pas son père. T'as suivi Adix ou pas? T'inquiète, j'ai suivi. Officiellement, t'es son père. Ouais, mais maintenant, elle va vouloir retrouver son vrai père. Elle va vouloir retrouver John. Ah oui, je sais, Théo. Bon. Ben... J'espère qu'elle va revenir, qu'elle va pas avoir trop froid. Bon, elle a dû sûrement aller chez Sandra. Elle avait oublié sa veste là-bas l'autre fois, donc... Ben oui, elle a dû y aller. Allez, te fais pas de soucis, hein. T'inquiète pas. Ouais. Gardien prisonnière, faut que je prévienne les flics, faut que je prévienne Alex, faut que je prévienne Christian, faut que je prévienne Julien. Je vais appeler Christian, je vais demander de lui prévenir les flics. Je sais pas, laissez-moi aller voir si elle est là. D'accord, vas-y, mais je te préviens, si elle est pas là, tu reviens. Oui, d'accord, promis. Allez, file. Toc toc. Je suis à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'il me voulait? Bah, il m'a demandé où tu étais, mais qu'est-ce que c'est? Une vieille histoire, je te raconterai. D'accord. En attendant, j'ai appelé Christian. Il va prévenir la police. Il arrive. Avec Alex et Julien. D'accord, ils sont gentils, Alex et Julien, c'est mes amis. Ah, tu les connais? Ouais. Ok. Bon. Bah, j'espère qu'il va réussir. Alex! Christian, ça va? Alex, elle en a un problème. Quoi? Devant chez elle? Le type que vous avez arrêté, oui, vous avez mis en garde à vue celui qui lui demandait beaucoup d'argent, là. La fois où je lui ai prêté les 1000 euros, tu sais, tu te souviens? Oui, et ben il est en bas de chez elle. Et en plus, il retient en otage à sa sœur. Quoi, Chloé? Non, c'est pas possible, tu la connais. Et oui, c'est une très bonne amie, c'est une amie, c'est une très bonne amie à moi. Ok. Bon, je préviens Julien, on y va. T'as raison. Préviens-le. Ok, j'arrive, Alex. Devant chez elle. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Ok. Encore, on avait pourtant arrêté Steve. On n'aurait pas dû le délivrer. Pourquoi on l'a délivré, bordel? Bon, et c'est parti. Direction chez Hélène. Bon, devant le camping-car, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler John et je vais lui dire que Fanny veut le retrouver. Je vais faire tout de suite, d'ailleurs. Allô, John, c'est Théo. Oui, ça va et toi? Tu te souviens de moi? Oui, c'est ça, le père adoptif de Fanny, exactement. Fanny veut te retrouver. Elle veut te voir.
Vous êtes là. Ouf. Merci, Christian, d'avoir prévenu. De rien, tu plaisantes, c'est normal. Ah, je me suis encore fait avoir. Mais je ne me ferai pas avoir une troisième fois. Oh, si, tu te feras avoir une troisième fois. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, tu vas passer ta vie en prison. Parfait. Hélène, ça va? Ça va, Alex? Merci de devenir. C'est normal, on est amis maintenant, non? Oui. Coucou, Christian. Salut, Alex. Ah, Chloé, ça me fait plaisir, ça va? Écoute, ouais. Ouais. Parfait. Pas me dire à moi que j'ai été adoptée, c'est quoi ça? C'est une blague! Bonjour famille. Je suis John. John Grissom. Je suis ton père. Retrouver. C'est moi qui devais vous chercher. A appelé Fanny à dormir chez elle. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée. Mais Fanny va vraiment retrouver son père! Eh oui! Son vrai père.